Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette grande conférence de la Maison de l'Histoire. À la sixième proposition de la troisième partie de l'éthique, le philosophe Baruch Spinoza explique, je cite, « Toute chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. » Il explique en effet, je le cite, « qu'aucune chose n'a en soi rien qui puisse la détruire, rien qui supprime son existence. Au contraire, elle est opposée à tout ce qui peut détruire son existence, et par conséquent, elle s'efforce, autant qu'il est en elle, de persévérer dans son être. » Cet effort, que les philosophes classiques appellent le conatus, se heurte pourtant au caractère fini des choses et du monde. Toute chose s'efforce de persévérer dans son être, mais cet effort, inévitablement, est vain, parce qu'il ne peut être qu'éphémère, et donc il n'existe que tant que la force est là. Dès qu'elle n'est plus, c'est la destruction et parfois la disparition. La plupart des grands mythes de l'art ont thématisé cette question. Pline l'Ancien ne raconte-t-il pas que le premier dessin est né de la volonté amoureuse d'une jeune femme de rendre présent, par ses contours, le visage de son amant parti à la guerre? C'est le récit qu'en fait en 1776 Pierre-Jean-Baptiste Nougaret dans ses Anecdotes des Beaux-Arts. Je cite ce passage. Selon d'anciens auteurs, ce fut un jeune homme à qui l'amour inspira la première idée du dessin. Son amante allait se séparer de lui. Lorsque, remarquant l'ombre que le soleil levant renvoyait sur un mur, il la fit approcher de cette muraille et traça avec un charbon le profil du visage de celle qu'il idolâtrait. « Puisqu'il faut, lui dit-il, que je sois privé pendant quelque temps du plaisir de te voir, j'aurai du moins la douceur de contempler cette faible image qui calmera une partie des peines que va me faire éprouver ton absence. » Les mêmes historiens ajoutent que la jeune personne, aussi tendre et aussi sensible, profita de l'heureux stratagème de son amant, dont elle emporta les traits sur un voile qu'elle sut garder avec le plus grand soin. L'art serait donc, par essence, mythique, conservation, mémoire, trace par excellence. Il serait de ce fait aussi monument, au sens étymologique du terme. Par les mots ou par l'image, il s'agirait de conserver le souvenir de ce dont on doit se souvenir. Mais nous le savons aussi, même si l'art traduit cet effort de persévérer dans l'être dont parle Spinoza, cet effort est lui aussi vain. Il est soumis au temps, à la corruption, à la ruine, à la décrépitude. Ces vanités que les peintres ont si souvent thématisées jusqu'à en faire un lieu commun. Le propos de notre conférencier de ce soir est de pousser cette réflexion jusqu'à son terme, si j'ose dire, en la radicalisant. Et si, au fond, l'art n'était-il pas à la fois persévérance dans l'être et refus de la persévérance, affirmation et négation de la présence, création et destruction? Nous associons aujourd'hui bien volontiers, nourris que nous sommes depuis la fin du XVIIIe siècle d'une certaine opinion, peut-être même d'une doxa, entourant les notions de patrimoine et de biens culturels, la conservation des œuvres d'art au bien et à la destruction au mal, comme si les enjeux esthétiques étaient aussi d'abord des enjeux éthiques. Dario Gomboni, que j'ai le plaisir d'accueillir et de présenter ce soir, professeur ordinaire d'histoire de l'art de la période contemporaine à l'Université de Genève, propose de poser les questions que je viens d'évoquer de manière un peu différente, en montrant que la destruction n'est pas simplement une annihilation, une néantisation, un acte négatif, mais qu'elle est aussi porteuse de sens, de positivité, peut-être même, on en discutera, de beauté sublime. Et ce d'autant plus que le monde moderne, né des feux et du sang des soulèvements du XVIIIe siècle, porte en lui des idéaux types qui valorisent la destruction, la révolution, la mise à bas des fausses idoles, leur crépuscule, la table rase. C'est à cette réflexion que le professeur Dario Gomboni nous invite à participer ce soir, dans le cadre de cette grande conférence organisée par la Maison de l'Histoire, autour de la question suivante, détruire l'art, pourquoi faire?
Je remercie, cher Dario, d'être parmi nous. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, je suis très heureux de parler ici ce soir. Je remercie Yann Ledoyen pour sa savante introduction. Je remercie la Maison de l'Histoire pour son invitation, spécialement Pierre Souhiri, ainsi que Sébastien Faré pour l'aide à la préparation et la diffusion. Et je remercie tous les membres du public d'avoir renoncé à en savoir davantage sur Frankenstein, par exemple, ou sur l'Europe, afin de se pencher avec moi sur la destruction de l'art. C'est une question qui jouit, il est vrai, d'une certaine actualité. On peut même dire que l'actualité, à travers les médias, au cours des dernières années, des dernières décennies même, nous garde à l'esprit toute une série d'images, un nombre remarquable d'images de destruction, destruction d'images, destruction de bâtiments, destruction de monuments, de patrimoine. Alors, pour ne donner que quelques exemples, dans un ordre chronologique inverse, et j'en profite pour dire que je vais vous montrer beaucoup d'images ce soir, que je ne commenterai que très brièvement, mais sur lesquelles nous pourrons, si vous le souhaitez, revenir au cours de la discussion, pour laquelle j'espère garder un peu de temps. Ah, ça c'était ma page de titre. Voilà, alors, rapidement, 2015-2016, destruction en Syrie, à Palmyre, par Daesh, donc nous avons ici toute une série de destructions commises par des islamistes. En février 2015, à droite, dans le musée de Mossoul, en Irak. En 2012, en bas, par le groupe Ensardiné, au Mali, à Tombouctou. Si nous remontons en haut, nous trouvons une date restée célèbre, le 11 septembre 2001, où toute une série d'attaques coordonnées ont eu lieu, préparées, dirigées par le groupe Al-Qaïda, et qui ont endommagé plus ou moins complètement des bâtiments, dont je n'oublie pas en disant cela que certains étaient aussi des contenants de vie humaine et que beaucoup de vies humaines ont été détruites dans la même action, notamment bien sûr les tours jumelles du World Trade Center à New York. Peu auparavant, en mars 2011, ce n'étaient pas des tours géantes, mais des statues géantes de Bouddha qui, dans la vallée de Bamiyan, en Afghanistan, étaient détruites par le gouvernement, par le régime des talibans. Si nous remontons un peu plus loin, et je m'arrêterai là dans cette litanie, dans cette série, beaucoup de bâtiments, même des villes entières, et bien sûr beaucoup de vies perdues pendant la guerre en ex-Yougoslavie, dont peut-être l'objet le plus célèbre, le vieux pont de Mostar, une structure ottomane du XVIe siècle, détruite le 9 novembre 1993 par un tir d'obus, et qui, en l'occurrence, est suffisamment resté dans les mémoires pour qu'on ait voulu le reconstruire, ce qui a eu lieu de 1997 à 2003. Apparemment, je m'arrête donc là, mais nous pourrions continuer. Apparemment, ces actes ont fait l'objet d'une condamnation unanime. Et leurs auteurs ont été considérés non seulement comme ayant commis des actes injustifiables, mais comme appartenant à une sorte d'altérité radicale, et même, je dirais, une non-contemporanéité, comme n'appartenant pas au même temps, au même monde que nous. Et j'en veux pour preuve les expressions volontiers employées à leur sujet, lorsqu'on dit que ce sont des actes médiévaux, j'emprunte ici à d'autres langues, mais comme vous le voyez, médiévaux, voire préhistoriques. Et ça, c'est l'expression en allemand. On ne l'a pas beaucoup employée en français, mais « die Steinzeit Islamisten », c'est une expression qu'on a employée, qui est assez extraordinaire. Alors, non seulement il s'agit bien entendu d'une diffamation des périodes concernées, et il est regrettable que nos ancêtres du Moyen-Âge et de la préhistoire n'aient pas d'avocats qui puissent attaquer en diffamation les journalistes concernés, mais elle est peu vraisemblable au vu de l'usage par les mêmes auteurs de déprédation de la technologie la plus récente et même avec une certaine virtuosité. En fait, cette affirmation de non-contemporanéité, qui est un déni aussi de rationalité, s'inscrit dans une longue histoire de la réponse à l'iconoclasme, dont on trouve des exemples au moins remontant jusqu'à la Réforme.
C'est ainsi que, dans cette gravure d'un élève de Dürer, Erhard Schön, qui accompagnait un texte intitulé « Complainte des pauvres idoles et images de culte persécutés », qui date de 1530 environ, on voit non seulement des iconoclastes réformés en train d'emmener... ça ne marche pas... en train de retirer des images de l'intérieur d'une église et d'aller les brûler, ou pour les métaux précieux, de les mettre de côté. Mais on compare aussi leurs actions avec celles de ce personnage qui vous intrigue probablement. Eh bien, c'est le personnage de la parabole biblique de la paille et de la poutre. Il voit la paille dans l'œil de son voisin, mais il ne voit pas la poutre qu'il a dans l'œil. Il est donc aveugle. Et cette idée que l'iconoclaste est aveugle est un topos de la représentation et de la dénonciation de l'iconoclasme. Elle a été représentée d'une manière exprimée, d'une manière peut-être indépassable, dans ce beau dessin de Goya du début du XIXe siècle, dont la légende le dit très clairement, « No sabe lo que hace », il ne sait pas ce qu'il fait. Et vous voyez que les yeux fermés, mais aussi la position instable sur cette échelle, avec dans une main la pioche avec laquelle il a détruit le buste, indique bien la position aussi précaire mentalement de cette personne. Alors, un moment capital pour cette dénonciation et condamnation, c'est la Révolution française, au cours de laquelle la volonté de supprimer complètement, de détruire entièrement un ordre social complet entraîne un élargissement considérable des cibles de l'iconoclaste, non plus seulement des objets de culte religieux, mais tout ce qui peut être considéré comme emblème de l'Ancien Régime, selon l'expression du moment. Et vous voyez comment, à gauche, la destruction sur la place des Victoires de la statue équestre de Louis XIV par François Girardon, que le dessinateur qui était sur place dans le dessin du haut représente comme un travail, au fond, comme un autre, par contre, dans les images de propagande, est représenté comme une victoire sur le despotisme par la Révolution elle-même qui surgit avec le bonnet phrygien à la place de la statue. Mais d'autres acteurs, y compris favorables à la Révolution, comme l'abbé constitutionnel Grégoire, s'opposent à ces destructions et emploient à cette fin le mot de vandalisme. Dans ses fameux rapports sur le vandalisme de 1794, Grégoire dénonce ces actions comme indignes de citoyens et, au fond, comme témoignant de la barbarie. En s'en prenant à des objets qui sont désormais définis comme porteurs de valeurs de la nation tout entière, on se place hors de la nation, voire hors de l'humanité. Et dans ses mémoires, Grégoire écrira fièrement à propos du mot vandalisme, je le cite, « Je crée le mot pour tuer la chose ». Fin de citation. Alors, au cours des deux guerres mondiales, le vandalisme, la destruction d'objets du patrimoine, de monuments, et l'accusation de vandalisme devient un instrument de propagande extrêmement important, notamment adressé à la barbarie teutonne, de préférence. Et je vous en montre deux exemples ici. À gauche, la couverture d'une revue française qui rend compte d'une exposition dans laquelle, en 1915, étaient présentés des objets abîmés, des œuvres abîmées par des bombardements allemands, sous le titre « L'art assassiné ». Et à droite, un curieux dessin de presse anglais, dans lequel on voit des troupes qui s'apprêtent à débarquer, mais qui observent les œuvres d'art que les Allemands sont censés avoir utilisées comme des sortes d'otages vivants, n'est-ce pas, présentés pour empêcher précisément qu'on les attaque. Et celui-ci, ce commandant, dit « Retenez votre feu, les gars, c'est vraiment la Mona Lisa ». Ici, c'est indiqué « Achtung, Leonardo's masterpiece, you Vandals ». Tandis qu'à droite, l'autre peut dire « Give them the works, that Venus is a fake ». Donc, pas de problème, c'est un faux. Alors, cet enjeu tactique de propagande, de politique de la guerre entraîne des transformations dans la législation, des mesures, en particulier la Convention de La Haye en 1954, qui appelle ou qui enjoint les parties d'un conflit armé à respecter le patrimoine de l'autre partie, au titre que, je cite le texte, « les atteintes
portées aux biens culturels, à quelques peuples qu'ils appartiennent, constituent des atteintes au patrimoine culturel de l'humanité entière, étant donné que chaque peuple apporte sa contribution à la culture mondiale. Fin de citation. Ceci dit, cette unanimité, ce consensus, est bien partiel et en partie superficiel. On s'aperçoit que tous ceux qui condamnent en bloc les destructions, en fait, tendent à en accepter d'autres, voire à appeler d'autres destructions. Et si l'on continue mon petit récapitulatif, on s'aperçoit, en remontant jusqu'en 1989, qu'on se souvient, au fond, de beaucoup d'images, de statues tombées aussi, contre lesquelles, en Europe occidentale, on ne s'est pas beaucoup échauffé l'esprit. On n'a pas protesté, on n'a pas trouvé qu'il se passait quelque chose d'affreux. Au contraire, ces images ont été employées pour témoigner de la victoire d'une révolution positive. À gauche, c'était la statue de Lénine, de la place Lénine à Berlin, qui était due à un sculpteur soviétique, Nikolaï Tomski, qui avait été érigé en 1970. À droite, c'est beaucoup plus récent, c'est en Ukraine, le renversement d'une autre statue de Lénine en 2014. Souvenez-vous aussi que pendant la Deuxième Guerre en Irak, au fond, c'est la coalition occidentale elle-même, menée par les Américains, qui a organisé la destruction d'une quantité d'effigies de Saddam Hussein, dont cette fameuse statue qui est tombée le 9 avril 2003 à Bagdad. Il s'agissait certes de communiquer l'impression qu'on avait affaire à une révolte autochtone, à un iconoclasme d'en bas, pour employer la distinction proposée par mon collègue Martin Warnke il y a déjà longtemps, entre iconoclasme d'en bas et iconoclasme d'en haut. Ceci dit, cette impression, ça n'a pas été très efficace, comme le montrent les commentaires et les caricatures, dont une caricature que j'emprunte à notre cher Chapat, qui ici, je vous laisse en prendre connaissance, mais il rapprochait la destruction de ces effigies, d'autre part, du manque de protection accordée par les Américains aux œuvres conservées au musée de Bagdad, entre autres, qui a été abondamment pillée à ce moment-là. Vous vous souvenez peut-être aussi que le secrétaire de la défense américain, Donald Rumsfeld, avait justifié ces déprédations, enfin le fait qu'on n'avait pas pu les empêcher, par l'inoubliable explication, je cite, « stuff happens », c'est-à-dire « ce genre de choses arrive, on ne peut rien y faire ». Alors on pourra m'objecter que les effigies de Saddam Hussein, comme celles de Lénine, n'étaient pas de l'art, mais de la propagande. Mais on doit se demander jusqu'où va cette explication et s'il était licite de les détruire parce que ce n'est pas de l'art ou si ça n'est pas de l'art parce qu'on voulait ou pouvait les détruire. Il est donc dans tous les cas nécessaire de se demander pour quel motif et à quelle fin on détruit l'art, pourquoi et pour quoi. Et je vais essayer de proposer quelques réponses. Dans le cas de l'iconoclasme récents de groupes islamistes, les motifs explicites sont d'ordre religieux, voire théologique. Référence au précédent, comme vous voyez ici, il s'agit d'un vidéogramme d'une vidéo diffusée par le groupe Daesh le 25 février 2015 et qui montrait des destructions notamment à l'intérieur du musée de Mossoul, ici avec des sous-titres du New York Times. Donc, renvoie à l'exemple et aux injonctions du prophète, en effet, qui renvoie à des épisodes comme la destruction par le prophète Mohammed des idoles de la Kaaba, que vous voyez représentées à gauche dans un manuscrit du XVIe siècle, et aussi la destruction par Abraham, que vous voyez représentée à droite, des idoles que son père fabriquait et vendait. Il s'agit donc ici d'arguments et d'actions qui sont communs non seulement à l'islam, mais au judaïsme et au christianisme. Deux représentations d'iconoclasme chrétien et d'appel chrétien à l'iconoclasme. À gauche, c'est Sainte Apollonie qui grimpe, elle aussi sur une échelle, pour démolir une idole païenne dans une peinture vénitienne du XVe siècle. Et à droite, une extraordinaire peinture murale de Tommaso Lauretti qui fait partie de la salle de Constantin dans le palais du Vatican, où vous voyez, c'est le triomphe de la religion sur le paganisme. Vous voyez qu'on a l'impression que la seule présence du Christ en croix a suffi à renverser, comme par un souffle surnaturel, renverser l'idole païenne. De ce point de vue, il me semble notable et valoir la peine qu'on y réfléchisse que l'iconoclasme chrétien est peu thématisé et peu présent dans notre mémoire collective. Et je pense qu'il est nécessaire d'y réfléchir lorsqu'on essaye de comprendre ces phénomènes en contexte et notamment dans les rapports actuels.
C'est ainsi que quand nous voyons un objet mutilé, comme cette Vénus, cette Aphrodite accroupie au musée du Louvre, il est rare que nous nous demandions si, au fond, elle a été attaquée comme idole, et par qui, et pourquoi, n'est-ce pas ? C'est une statue fragmentaire, comme nous avons pris l'habitude de les voir et de les trouver belles. Pourtant, cet iconoclasme s'est poursuivi pratiquement jusqu'à nos jours. Au XVIe siècle, dans le Nouveau Monde, en Amérique, et vous voyez ici un codex de 1585 qui nous montre des franciscains en train de mettre le feu à des codex, justement, et vous voyez que les divinités sont comme en train d'exploser dans le ciel. Et puis au XIXe siècle, en Océanie, dans le cadre de l'action missionnaire, et vous voyez une image qui représente la destruction des idoles de Tahiti. Là aussi, vous voyez qu'il y a une idole qui a l'air, dans un dernier souffle, d'avoir encore une certaine puissance, mais à gauche, on détruit un marae, c'est-à-dire un lieu saint, tandis qu'on le remplace à droite par une église chrétienne. Est-ce pourquoi cette amnésie ? Est-ce parce que l'histoire est écrite par les vainqueurs ? Martin Warnke, à nouveau, en 1973, faisait remarquer que l'histoire de l'art accuse rarement les auteurs de destruction qui remplacent ce qu'ils ont détruit par des œuvres encore plus remarquables, mais les absout, au contraire. Il faisait remarquer donc que la destruction est un privilège pour les vainqueurs, un sacrilège pour les vaincus. De toute évidence, les motifs religieux dans toutes ces actions sont insuffisants à expliquer de quoi il s'est passé. On voit bien comment l'iconoclasme chrétien des missions fait aussi partie de l'histoire du colonialisme et de l'impérialisme. Il en va de même, bien entendu, pour l'iconoclasme islamiste. Le cas, par exemple, de la destruction des statues de Bouddha de Bamiyan. C'est un cas extrêmement complexe, que je ne vais pas essayer ici d'exposer, qui est d'ailleurs encore peu documenté, mais ce qui me paraît clair, c'est qu'il était adressé, c'est un message adressé à plusieurs audiences, de plusieurs manières, à plusieurs niveaux. C'est ainsi qu'à un niveau local, adressé aux habitants de la vallée de Bamiyan, une minorité religieuse, chiite et ethnique, que les talibans avaient toujours eu du mal à essayer de contrôler. Et vous voyez ici une image qui montre, après la destruction, cette association profonde entre les statues et la minorité Hazara, pour qui ces statues avaient été réinterprétées comme des figures d'ailleurs légendaires. Un message à l'intérieur, qui fait partie de la guerre, à l'intérieur de l'islam, entre diverses factions, diverses directions, et pour la légitimité, voire la domination. On voit ici une image qui commente la destruction. Et puis, bien entendu aussi, à l'endroit de l'Occident, à l'endroit de la communauté internationale, à cause du fait de l'association étroite entre patrimoine mondial de l'humanité et communauté internationale. De ce point de vue-là, il faut, je pense qu'on doit, un des facteurs qui a conduit à cette destruction, c'est le fait que l'ONU venait d'infliger des sanctions au régime des talibans et de refuser de le reconnaître. Il s'agissait donc pour les talibans d'une affirmation de souveraineté, non seulement sur le territoire, mais sur l'ontologie elle-même, c'est-à-dire sur de quoi il s'agissait. À l'idée qu'il s'agissait d'éléments du patrimoine, les talibans répondaient « Non, il s'agit d'idoles, c'est nous qui décidons de quoi il s'agit et nous les traitons comme tels. » C'est un facteur extrêmement important, je pense, dans les éléments plus récents aussi. C'est ainsi que dans la vidéo dont je vous ai déjà montré un vidéogramme et que ma collègue Sylvia Neff m'a aidé à déchiffrer sur le plan linguistique, c'est ainsi qu'on montrait, on faisait aussi allusion aux fouilles qui avaient mené à dégager les antiquités pré-islamiques contre lesquelles qu'attaquaient les islamistes et à leur intégration dans le patrimoine national par les musées nationaux. Et ici, donc, ce passage de la vidéo indique qu'elles ont été, que ces œuvres, que ces idoles ont été déterrées par des satanistes, et donc c'est contre elles qu'elles sont dirigées. Je pense donc que l'association de la communauté internationale avec le patrimoine mondial de l'humanité produit des effets pervers, c'est-à-dire augmente l'intérêt de ces cibles en tant que cibles, puisque à travers le patrimoine mondial de l'humanité, on atteint immédiatement la communauté internationale. Et que l'indignation ici et les appels à l'indignation entraînent des effets pervers. À nouveau, un commentaire de Chapat à propos des destructions au Mali.
n'est-ce pas ? Quand j'entends le mot culture, je sors mon pistolet, avec allusion bien sûr au nazisme, mais je pense que c'était un point qui était bien vu. Et ce point-là est confirmé par de nombreuses déclarations. C'est ainsi qu'un représentant de Ansar Dine déclarait à Al Jazeera News en 2012, je le cite en anglais, « There is no world heritage, it does not exist, the infidels must not get involved in our business », fin de citation. Ou encore une déclaration de Daesh en 2015, je cite, « We will destroy your artifacts and idols anyway, and Islamic State will rule your lands », fin de citation. De ce point de vue, il y a donc des limites au développement politique et juridique qui rendent justice, par ailleurs, à l'évolution des conflits dans la protection du patrimoine. Je pense au deuxième protocole relatif à la Convention de l'AE de 1954, qui visait à reconnaître l'importance des conflits internes à un État, à la suite des guerres dans l'ancienne Yougoslavie, ou plus récemment à la condamnation du Malien Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi par la Cour pénale internationale pour crime de guerre à cause de son rôle dans la destruction des mausolées de Tombouctou. Et je pense qu'on peut être sceptique face à la proposition d'un autre collègue, Horst Bredekamp, proposition récente de créer une Kunstschutzarmee, une armée destinée à protéger l'art et à envoyer dans les zones concernés. Ceci dit, c'est un développement véritablement inquiétant et ce serait une erreur de ne considérer les arguments religieux ou théologiques par des islamistes que comme de purs prétextes. En effet, le fondamentalisme islamiste ou islamique étend la notion d'idole et d'idolâtrie bien au-delà de ce qu'elle couvrait habituellement. C'est ainsi qu'une fatwa saoudienne de 1994 autorisait la destruction de sites historiques pour la raison suivante, je cite et je traduis, « Il n'est pas permis de glorifier des bâtiments et des sites historiques. Une telle action mènerait au polythéisme parce que les gens pourraient penser que ces places, possèdent, ces endroits, possèdent une valeur spirituelle. Et le prophète, la paix soit sur lui, a interdit que l'on construise ou que l'on prie sur les tombes parce qu'il s'agit d'une forme de polythéisme. » Fin de citation. Ce que je vous montre ici depuis un moment, c'est ce qui est arrivé sur les lieux saints, à la Mecque en l'occurrence, où la maison dans laquelle on pense qu'avait habité la première femme du prophète, Khadija, que l'on avait dégagée dans les années 1980, a été remplacée par un bâtiment qui abrite entre autres des toilettes destinées à accueillir les pèlerins. Action qui est considérée comme sacrilège par une autre partie du monde musulman. Ce type d'action n'est pas préventive en quelque sorte ou n'est pas limitée au monde musulman. En fait, nous sommes à Genève bien placés pour le connaître et le comprendre si l'on s'intéresse à la tombe de Jean Calvin. Je ne sais pas si vous êtes familier de cette tombe remarquable, mais vous savez peut-être que Jean Calvin avait évité et qu'on a évité de marquer, d'indiquer l'emplacement de la tombe de Calvin pour éviter que se développe tout type de culte sur cette tombe. Ce n'est qu'au XIXe siècle que, comme les gens inventaient malgré tout, imaginaient où se trouvait la tombe, ce qui conduisait à des phénomènes non contrôlés, par exemple, on coupait les branches d'un saule au pied duquel on pensait qu'il était enterré. Donc on a fini par leur donner quelque chose à ces malheureux calvinistes pèlerins. Et donc on a construit une petite tombe et on a placé un tout petit monument funéraire que je trouve absolument délicieux parce que c'est un pavé minuscule sur lequel on a indiqué que les initiales de Calvin, et vous apprécierez l'ambiguïté de l'inscription, JC. Voilà, donc là on avait affaire à une mesure préventive. Bien entendu, la cible première des islamistes, et elle est interne à l'islam, et les destructions touchent d'abord des musulmans, avec notamment la destruction dans le monde entier d'un très grand nombre de tombeaux de saints qui touchent les chiites et notamment le soufisme. Mais cette extension des objets potentiels de l'idolâtrie est parallèle à l'extension des objets du patrimoine et au triomphe de ce qu'on a appelé, peut-être pour de bonnes raisons, le culte du patrimoine. Je pense donc que cette accusation n'est pas totalement dénuée de pertinence. En effet, l'art, comme on le sait, depuis les Lumières, a en partie hérité de certaines propriétés et de certaines fonctions de la religion. On a parlé depuis le début du XIXe siècle de la religion de l'art. À ce propos, j'illustre cela par le fameux hôtel de Tetschen de Caspar David Friedrich, qui est un tableau de paysage, mais encadré et présenté comme un tableau d'hôtel.
Et dans un des ouvrages, à mon avis, qui reste les meilleurs pour comprendre ce que c'est que le patrimoine, dû à Alois Riegel et datant de 1903, Riegel a donc intitulé son étude « Der moderne Denkmalkultus », le culte moderne des monuments. Et je pense que ça n'est pas non plus pour rien. Alors, le fait que ce culte entraîne des agressions, comme d'autres cultes, n'est pas nouveau non plus. C'est ainsi que, peu avant la Première Guerre mondiale, les iconoclastes, les militantes britanniques de la Women's Social and Political Union, qu'on appelle généralement les suffragettes, s'en sont pris non seulement à des effigies du pouvoir, sur des pièces de monnaie par exemple, mais aussi à des œuvres d'art, qu'elles attaquaient en tant qu'idoles de la propriété ou du culte de la propriété, et aussi à cause de l'image de la femme qu'elles véhiculaient. L'œuvre la plus célèbre, c'est la Vénus au miroir de Velázquez, dont je vous montre seulement un détail ici, après son attaque par Mary Richardson, que vous voyez en bas à droite, en train d'être arrêtée et emmenée. À la même époque, en 1915, un commentateur perspicace, Julius von Weck, écrivait dans un livre oublié, malheureusement, Die Bilderstürmer, les iconoclastes, je le cite, « Même notre époque, où domine la pensée rationnelle et le contrôle de soi de la classe moyenne, n'empêche pas l'art d'être menacé, comme il l'a toujours été. D'autant plus qu'il apparaît aujourd'hui, plus que jamais, comme étant au centre de l'intérêt des peuples civilisés, comme un monde en soi, comme une garantie de l'esprit moderne, et donc en même temps comme son talon d'Achille, le point où il peut le plus facilement être touché. » Ceci dit, si les phénomènes récents ne sont pas nouveaux, ils témoignent aussi de changements dus entre autres à la mondialisation, au développement des conflits qu'on dit asymétriques et à l'existence d'une technologie qui permet la production et la diffusion instantanée d'images fixes et en mouvement. Et il n'y a guère d'images plus efficaces que les images de la destruction. Alors à ce propos, vous pouvez observer comment les talibans ont organisé, bien qu'ils étaient opposés à tout usage d'images, ont organisé assez soigneusement la diffusion de ces images-là. De même que les islamistes plus récemment veillent bien à filmer ce qui était en train de se passer. Et ce commentaire assez juste à propos du 11 septembre, les images de la terreur des images. Donc non seulement, une conclusion provisoire, non seulement l'iconoclasme récent n'est pas médiéval, surtout pas préhistorique, mais il est profondément moderne. Et il entretient des liens indissolubles avec non seulement le monde moderne, mais je dirais le modernisme. C'est ainsi qu'à la Mecque, la plupart des destructions de structures historiques ont lieu au nom de la modernisation nécessaire pour la pratique du pèlerinage. Vous voyez à gauche un des bâtiments les plus récents à la Mecque et à droite un commentaire de Ahmad Angavi, le fils d'ailleurs d'un architecte saoudien qui a essayé de défendre ce patrimoine et qui ajoute à une image ancienne représentant le pèlerinage de la Mecque un petit bulldozer qui est en train de grignoter peu à peu tout ce patrimoine. On peut donc rapprocher ce qui se passe, par exemple à la Mecque, de ce délicieux slogan d'une entreprise de démolition américaine que j'avais capturée à Chicago en 1997, breaking into the future. Et cette espèce d'élan, d'enthousiasme qui me paraît tout à fait central pour le modernisme, en effet, est toujours là. Détruire semble être un acte d'émancipation nécessaire à l'entrée dans le futur. En effet, si nous regardons en arrière, dans l'histoire de notre monde, nous apercevons que l'iconoclasme est présent au cœur de l'idée de progrès, progrès technique, mais progrès aussi civilisationnel. Un exemple peu connu, un peu oublié aussi, à Berne, au milieu du XIXe siècle, lorsqu'on a construit une nouvelle gare, elle exigeait qu'on abatte la tour de Saint-Christophe, l'une des tours de la ville, qui abritait la statue de Saint-Christophe, qui avait survécu à la Réforme en tant qu'une sorte de gardien de la ville. On lui avait d'ailleurs ajouté une espèce de contrebasse. Cela a mené à un combat épique dans la population bernoise. Les défenseurs de Christophe le représentent en train de chasser les partisans du modernisme que vous voyez ici la ville qu'ils veulent construire, remplacer le vieux Berne par une ville au cordeau. Et à gauche, vous voyez un projet de monument au style de l'équerre. Monument tout à fait délicieux d'ailleurs, je trouve.
qui n'a pas été construit. En fait, les défenseurs du vieux Berne ont perdu. Et voilà une autre caricature qui montre le résultat. C'est le plus, je cite la légende, décapitation du plus grand homme de Berne sur ordre des petits dieux du matérialisme. Voilà. Alors, on a beaucoup l'histoire de l'urbanisme moderne et pour beaucoup une histoire de destruction. Je n'en donne que quelques exemples. À gauche, l'haussmannisation de Paris. Vous voyez les percées à travers le tissu très dense de l'ancien Paris. Les petits points, ce sont les casernes, parce qu'une des fonctions que remplissaient ces percées, c'était aussi de faciliter le contrôle militaire et politique. À droite, c'est resté plus utopique, mais je pense qu'on peut s'en féliciter, c'est Le Corbusier dessinant le nouvel axe de circulation et l'emplacement du nouveau Paris de gratte-ciel dans un documentaire des années 30 dans son fameux palais voisin. On y a aussi songé à Genève, comme en témoigne le fameux plan Braillard, le plan directeur dessiné par Maurice Braillard, architecte de la ville en 1935, et qui prévoyait lui aussi de remplacer à peu près tout Genève, sauf la partie ancienne, la colline avec la cathédrale, par des bars, comme vous voyez. On ne sait pas bien jusqu'à quel point le plan voisin et le plan Braillard étaient vraiment des projets dont leurs auteurs pensaient qu'ils pouvaient et devaient être réalisés, jusqu'à quel point ils étaient relativement utopiques. Mais enfin, on y a songé. Ce qui est sûr, c'est que pour réaliser de telles tables rases, de tels renouvellements radicaux, il fallait soit un régime autoritaire, comme le Second Empire ou le régime fasciste en Italie, et vous voyez ici une image de propagande nous montrant Mussolini commençant lui-même, mettant lui-même la main à la pioche pour commencer le travail de démolition nécessaire à la construction de la Via dell'Impero, devenue depuis Via dei Fori Imperiali, où il fallait la guerre, beaucoup plus efficace encore, et en fait, ce sont les bombardements qui ont réalisé le programme des architectes modernistes de l'entre-deux-guerres, comme d'ailleurs certains ont bien voulu l'admettre après coup. Donc le bombardement, ça c'est Rotterdam en 1941. Donc vous voyez que c'est à peu près le plan Braillard avant qu'on reconstruise les bars, n'est-ce pas? On a conservé quelques monuments, mais le reste, on l'a fait disparaître. Ou justement, la reconstruction. Parce que la reconstruction, et ici vous voyez le Havre, qui ressemble, par les frères Perret, qui ressemble à la ville, au nouveau Berne, qu'imaginaient les opposants à la construction de la gare, la reconstruction a été le moment où on a pu enlever les ruines pour construire comme on avait voulu construire déjà avant, à divers endroits. Alors il va de soi qu'une période particulièrement destructrice, ça a été les 30 Glorieuses, la période de croissance économique de l'après-guerre. Et à ce propos, il vaut la peine de noter, je vous signale qu'entre-temps, le Havre est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO quand même. Donc tout est susceptible aussi de devenir partie, bien sûr, devient patrimoine, ce qui est tout à fait juste et normal. Je disais, les Trente Glorieuses ont été très destructrices. Il est intéressant et un peu ironique de constater, par exemple, et comme je m'en suis aperçu en participant à un colloque qui s'appelait Target Architecture, qui a eu lieu à New York peu après la destruction du World Trade Center, moi je pensais, j'osais à peine parler, je me suis demandé pourquoi ce bâtiment avait été pris pour cible, mais je me suis aperçu que les défenseurs du patrimoine new-yorkais, en fait, n'étaient pas si fâchés, à part tous les morts, mais ils n'étaient pas tellement fâchés qu'on ait détruit le World Trade Center, parce que la construction du World Trade Center avait été extrêmement destructrice, et ils espéraient en fait qu'on pourrait, grâce à sa démolition, retrouver quelque chose du tissu urbain précédent. C'est à cette fin qu'ils ont publié cette carte où l'on voit, sous l'empreinte du World Trade Center, les rues qui avaient été supprimées et que peut-être on pourrait reconstruire. Bon, comme vous le savez, ça n'est pas du tout la proposition qui a été adoptée. À gauche, vous voyez l'architecte Minoru Yamasaki avec son projet au moment où on était en train de le préparer. Ironie de l'histoire aussi, il se trouve que Charles Jenks, un historien de l'architecture, lorsqu'il a proposé l'idée de postmodernisme, faisait dater la naissance du postmodernisme du 15 juillet 1972. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé le 15 juillet 1972 ? Eh bien, on a démoli un bâtiment, on a démoli le plus grand ensemble d'habitations des États-Unis qui avait été construit par le même Minoru Yamasaki à St. Louis. Et vous voyez à gauche, en bas, le moment de cette destruction dont on espérait qu'elle résoudrait les problèmes sociaux dont on pensait que l'architecture les avait causés. Il va sans dire que ça n'a pas été non plus le cas du tout. Alors, on a détruit depuis bien d'autres tours d'habitation,
par exemple, à Lyon, les tours de la République dans le quartier qui s'appelait Démocratie, dans la cité des Maguettes, qui avait été construite dans les années 60. Et comme le montre le document de droite, on espérait aussi que cette démolition allait être un moment de grande joie collective et qui allait marquer le début d'une ère nouvelle. Ça n'a pas été le cas du tout. J'habitais Lyon à l'époque et j'ai été très frappé de constater que personne ne protestait contre cette démolition. Les architectes étaient vivants, on avait mis beaucoup d'espoir dans ces constructions et pas du tout. C'était comme les statues de Lénine. Il n'y a eu que Paul Chemetov, un architecte d'ailleurs remarquable, pour parler de dévalorisation instantanée de la mémoire des habitants, et pour faire remarquer que dans à peu près au même moment, la police avait tué un jeune habitant de la banlieue lyonnaise suspecté de terrorisme islamiste, et pour parler à propos de cette coïncidence de purification esthétique et ethnique. Fin de citation. Ça mériterait vraiment qu'on repense encore à cette extraordinaire coïncidence et aux suites. Alors, étant à Lyon, je me suis intéressé au contexte et je me suis aperçu qu'en fait, cette démolition s'inscrivait dans une longue histoire de modernisation technique, de modernisation urbaine. C'est ainsi qu'on trouve, face au pont menant à l'université, un monument à Antoine Gailleton, maire de Lyon, qui avait fait, entre autres, construire le pont. Et sur le côté du monument Gailleton, il y a cette très jolie allégorie du progrès dû à Alexandre Maspoli. Ça date de 1913. Le progrès, comme vous voyez, tient une torche. Est-ce que c'est pour éclairer l'humanité, comme la liberté dans le port de New York? Pas du tout. C'est pour la jeter dans le quartier médiéval de la Grolée, à droite, qui était à l'époque insalubre et qu'il s'agissait de nettoyer. Le progrès, donc, va nettoyer par le feu. Dans les années 70, vous le voyez ici, un remarquable ensemble de la Troisième République, la place Carnot, auquel on arrivait en sortant de la gare de Perrache, et ceux qui connaissent Perrache peut-être ont une petite idée, a été démoli pour faire place au centre d'échange de Perrache, dont cette carte postale de l'époque donne une idée des vertus qu'on lui trouvait. C'était aussi pour faire passer l'autoroute à travers Lyon, pour faire découvrir aux touristes la ville de Lyon. Ils y ont découvert des bouchons, mais pas ceux qu'on voulait, évidemment. Alors, il ne s'agissait pas que d'une modernisation technique, comme le prouve le sort du monument à la République. Il n'y avait pas eu de changement profond de régime entre la 3e et la 5e République, mais on a quand même démoli le monument à la République. La République elle-même a été mise de côté. Les allégories du Rhône et de la Saône ont disparu. Je n'ai jamais réussi à savoir si on a jeté le Rhône dans la Saône et la Saône dans le Rhône, ou le contraire. Quant aux allégories de la liberté, de l'égalité et de la fraternité qui étaient là, on les a, assez logiquement peut-être, bannis dans un petit square d'un quartier ouvrier du côté de Villeurbanne. Voilà. Je vous laisse réfléchir aussi sur la symbolique politique de cette opération. La modernisation technique a été donc, là aussi, l'occasion d'une épuration esthétique, en l'occurrence, celle de l'héritage monumental de la Troisième République. Et cela, pourquoi ? J'aborde un nouveau chapitre, c'est le fait que cet idéal de la table rase fait partie tout aussi bien du modernisme esthétique, et cela encore plus peut-être ou tout aussi profondément. En effet, la dévalorisation de la statuaire de la fin du XIXe siècle n'est pas seulement l'effet d'une obsolescence esthétique due au temps, mais aussi de la critique moderniste, du rejet de l'académisme et de l'antitraditionnalisme qui est constitutif de l'avant-gardisme et du néo-avant-gardisme. Alors, je passe un peu rapidement parce que je pourrais vous entretenir toute la soirée de ce seul aspect. Cela commence avec humour à la fin du XIXe siècle, lorsque on démolit Athéna ou lorsqu'on fait fumer la pipe à Mona Lisa. Ça devient un peu plus sérieux avec le futurisme et Dada. Marinetti, dans son manifeste du futurisme, publié en 1909 dans le Figaro, affirme qu'une automobile de course est plus belle que la victoire de Samothrace et propose de délivrer l'Italie, je le cite, de sa gangrène de professeurs, d'archéologues, de cicérones et d'antiquaires en démolissant les musées et les bibliothèques. Évidemment, là aussi, il ne pense probablement pas sérieusement. Néanmoins, vous savez que les futuristes ont soutenu par la suite la guerre et le fascisme et donc que leur éloge, leur apologie de la violence n'était pas entièrement innocente. Ça n'est pas non plus la seule avant-garde qui a creusé sa propre tombe. Et c'est ainsi que, je vous montre à gauche ici,
une vue de l'ouverture de la première foire internationale d'ADA à Berlin en 1920, avec le slogan de George Grosz, « Nehmen Sie Dada ernst, es lohnt sich »,« Prenez Dada au sérieux, ça vaut la peine ». Et on a pu dire que ceux qui ont vraiment pris Dada au sérieux, ce sont les nazis, qui ont appris les techniques d'exposition disruptive de Dada, les ont appliquées en 1937 dans leur exposition de l'art dit « dégénéré », avec entre autres une salle Dada où nous retrouvons, comme vous voyez, le slogan de George Grosz. Même chanson avec les mouvements néo-dadaïstes, après-guerre, à partir des années 60. C'est ainsi que George Masiounas, un des leaders de Fluxus, publie en 1966 une sorte d'arbre généalogique de Fluxus dans lequel il le relie à l'iconoclasme byzantin, que j'illustre ici, et aux gardes rouges chinois en 1966. En effet, en 1966, les gardes rouges chinois étaient en train de démolir les quatre vieilleries, parmi lesquelles beaucoup d'œuvres d'art, beaucoup de monuments. C'est le moment des manifestes de l'art autodestructeur dû à Gustav Metzger, un juif allemand réfugié en Angleterre et qui a connu une résurrection artistique récente, assez inattendue. Et vous voyez qu'on pouvait à cette occasion revendiquer l'iconoclasme des suffragettes d'avant la Première Guerre mondiale. Les manifestes de l'art autodestructeur de Metzger sont profondément ambivalents parce que dans le même temps, ils dénoncent la destruction ou la menace de destruction, par exemple celle de la bombe atomique, et ils célèbrent la destruction qui serait typique du temps et qui donc devrait être intégrée à l'art lui-même. L'œuvre autodestructrice la plus célèbre et durable, au moins dans les mémoires, l'hommage à New York de Jean Tinguely, réalisé le 17 mars 1960 dans le jardin du Museum of Modern Art à New York, ainsi a conduit à ce paradoxe assez logique que lorsque un pompier, voyant que le feu risquait de conduire à une explosion, a tenté d'empêcher la poursuite de l'autodestruction de l'œuvre, ce pompier a été pris à partie par le public qui a parfaitement compris que si une œuvre doit s'autodétruire, vouloir l'empêcher de s'autodétruire est un acte de vandalisme. Alors, c'est avec Robert Rauschenberg, probablement, qu'on a un véritable passage à l'acte, c'est-à-dire qu'on ne s'en prend plus à des reproductions, qu'on n'a plus affaire à un vandalisme métaphorique, mais à une vraie œuvre d'art. En effet, Rauschenberg est allé trouver un artiste de la génération précédente qu'il admirait, de Kooning, pour lui demander un dessin afin de l'effacer. De Kooning, qui était un homme généreux et adorable même, a cherché un dessin dont il a expliqué par la suite qu'il serait difficile à effacer. Et Rauschenberg dit que ça lui a pris un mois. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on a pu depuis, grâce à des techniques numériques, essayer de reconstituer le dessin en question. Et c'est Jasper Johns, un ami de Rauschenberg, qui a réalisé cette espèce de plaque tombale un peu monumentale qui annonce qu'on a affaire ici à un dessin de Kooning effacé par Rauschenberg. Il y a un lien évident entre l'iconoclasme néo-dadaïste des années 60 et 70 et l'activisme. Et c'est ainsi qu'un jeune artiste d'origine iranienne, Tony Shafrazi, le 28 février 1974, a sprayé sur Guernica, qui était conservé au Musée d'Art Moderne à New York, la formule étrange « Kill Lies All », qui demeure énigmatique, mais qui était certainement relié à la guerre du Vietnam, à une dénonciation du guerre du Vietnam, qu'un groupe d'artistes de gauche, la Art Workers Coalition, avait déjà dénoncé, mais cette fois sans s'en prendre au tableau, quelques années auparavant. Cela conduit à un débat extrêmement intéressant sur le caractère licite ou non de ce que Shafrazi définissait comme une collaboration entre lui-même et Picasso, parce que Shafrazi prétendait libérer l'œuvre d'art, qui était une œuvre d'art dénonciatrice de la guerre, de ce que nous avait fait le musée, pour la rendre à nouveau, grâce à son intervention, à son essence protestataire. L'histoire de l'art elle-même, ou au moins la critique d'art, a participé à cette dimension critique et iconoclaste. C'est ainsi que John Berger, qui fête cette année ses 90 ans, commençait sa série d'émissions de la BBC, Ways of Seeing, en se faisant représenter, démolissant un tableau de Botticelli. Il s'agissait évidemment, en l'occurrence, d'une reproduction.
Il y a donc, cette attaque, ce radicalisme pouvait aussi servir à dénoncer une domination, par exemple masculine. C'est le cas dans les tirs de Niki de Saint-Phalle, réalisés ici à l'époque de son exposition à la Galerie J à Paris, qui s'appelait « Feu à volonté ». Alors, un élément important de toutes ces actions, c'est le caractère dynamique. C'est l'appel à renverser les idoles, en effet, à introduire à l'émancipation, à introduire un moment des possibilités nouvelles. Cela a continué, et par exemple dans une œuvre plus récente de Pippi Lotiriste, une de ses vidéos de 1997 intitulée « Ever is over all », on voit une espèce de bacchante moderne briser les vitres de voitures parquées le long d'un trottoir à l'aide d'une sorte de plante. Et c'est cette énergie révolutionnaire qui est au fond contagieuse. Elle peut être exploitée aussi, comme vous le voyez à droite, dans le domaine du design. C'est le designer hollandais Marijn van der Poel qui a publié en 2000, réalisé une chaise intitulée Do Hit, qui se vend avec un gros marteau. On achète un cube et un marteau, et on est donc invité à frapper sur ce cube jusqu'à ce qu'il devienne plus ou moins confortable. Ou on peut, en payant plus cher, l'obtenir déjà cassé par Van der Poel lui-même. So much for participation. Mais on peut aussi évidemment considérer qu'il y a la exploitation de cette emphase, de cet enthousiasme révolutionnaire. Et c'est vrai aussi plus récemment et dans l'art. Et c'est vrai du côté de l'iconoclasme islamiste qui exploite les procédés des jeux vidéo notamment et des films d'action. Et vous voyez ici, c'est très net dans ce passage du même film, à nouveau, qu'on peut rapprocher, ça n'est pas le genre de choses que je regarde, mais on m'a expliqué que ça ressemblait à ce qu'on appelle, comment est-ce qu'on appelle ça, un certain type de vidéo game, voilà, ça s'appelle first person shoot video game, c'est là où on est, en tant qu'usager, dans la position de celui qui tient l'arme et donc qui tire sur ce qu'il voit. Et le commentaire, bon, je vous laisse réfléchir sur le commentaire de Chapat, qui est assez inquiétant, mais peut-être aussi assez pertinent. Alors, exploiter le potentiel dynamique et aussi le potentiel d'indignation de l'iconoclasme, c'est possible dans l'art aussi. Et je pense à ce propos aux frères Chapman, Jake and Dinos Chapman, des artistes britanniques, qui ont réalisé en 2003 une série intitulée « Insult to Injury », qu'ils ont présentée dans une exposition qu'ils ont appelée « The Rape of Creativity », le viol de la créativité, et qui consistait en une série de rectifications des gravures de Goya de la série des désastres de la guerre, sur lesquelles les Chapman ont ajouté une série d'interventions du type des têtes de clowns. Le commentaire, en l'occurrence, de Goya semble commenter l'action elle-même, ça n'est pas par hasard d'ailleurs, « Grande hazaña con muertos », grand exploit avec des morts. Alors, les titres employés par les Chapman, évidemment, semblent vouloir désamorcer à l'avance d'une certaine manière l'indignation, puisqu'ils le disent eux-mêmes. Néanmoins, on a pu commenter, c'est Jonathan Jones, un critique britannique, qui a commenté cette action en disant, je cite, « Defacing a work of art is perhaps the last taboo of the liberal Brit art loving Tate modern going public. » Donc, le dernier tabou, la dernière manière dont on peut exciter, si vous voulez, le public. Cette énergie n'est pas épuisée, et j'en veux pour preuve l'image que j'ai utilisée pour l'affiche de cette conférence, une œuvre célèbre de Ai Weiwei, « Dropping a Han Dynasty Urn »,« Laisser tomber une urne de la dynastie des Han ». C'est une œuvre complexe, ambiguë, dont je ne vais pas fournir une analyse complète, mais on pourra revenir, qui d'un côté fait allusion et rend hommage probablement à Marcel Duchamp, que Haï admire beaucoup, et spécialement aux trois stoppages étalons, une œuvre de Duchamp qui était du hasard en conserve, comme Duchamp l'a écrit, et qui consistait, c'est une sorte d'expérience, ou de parodie d'expérience, qui consistait à laisser tomber trois fois d'une hauteur d'un mètre, un fil d'une longueur d'un mètre, et à conserver soigneusement le résultat, qui, de cette façon, détruisait l'étalon d'un mètre, puisqu'on a trois formes différentes. Donc ici, lui, il ne laisse pas tomber un fil, mais il laisse tomber un vase ancien. Mais d'autre part, on a aussi une allusion qui paraît choquante a priori
aux destructions, notamment de la Révolution culturelle, dont on sait que la famille de Haye, en particulier son père, ont eux-mêmes beaucoup souffert. Mais il y a peut-être aussi une dénonciation de la réutilisation, de la récupération des reliques du passé, comme on le dit, par le gouvernement chinois actuel, d'autant que Haye lui-même a beaucoup condamné ou dénoncé les destructions du patrimoine en cours. Malgré tout, il y a beaucoup de gestes de sa part qui vont dans le même sens, dans un sens iconoclaste, comme vous voyez, comme ces vases censément anciens qu'il recouvre de peintures modernes ou sur lesquelles il ajoute des inscriptions comme Coca-Cola. Le plus important me semble dans cette œuvre l'absence d'expression de l'artiste qui regarde dans les yeux le spectateur et qui semble nous interroger et dire quelque chose, je lui prête ma voix, dire quelque chose comme « qu'est-ce que je suis en train de faire ?» ou peut-être « que voulez-vous que je sois en train de faire ?» parce qu'il n'agit pas. Il laisse simplement les choses se passer. Et malheureusement, la réponse, j'ai étudié un peu la réception de l'œuvre de Haye, la réponse semble être souvent « nous voulons que vous soyez en train de détruire quelque chose, et de préférence quelque chose d'ancien et de précieux ». Alors, bien entendu, il y a d'autres motifs de destruction, il y en a beaucoup d'autres. C'est ainsi qu'il y a des destructions antimodernistes et qui réagissent au caractère iconoclaste de l'art moderne et contemporain. Il y a le vandalisme comme critique. Je ne commente pas cette inscription, puisqu'elle-même prend la parole. Elle a été apposée sur une œuvre de Richard Serra en 1988, Berlin Junction. Il y a aussi des destructions, paraît-il, par méprise, parce qu'on n'a pas reconnu une œuvre d'art. Et à vrai dire, le début de mon travail sur l'iconoclasme, c'est une histoire comme ça. Ça s'était passé à Vienne en 1980, où on avait détruit beaucoup d'œuvres de manière anonyme, mais on avait trouvé un seul vandale. Ça n'était pas du tout le jeune homme pris de boisson que la presse avait imaginé. C'était un homme d'une cinquantaine d'années qui possédait une entreprise de jardinage. Je suis allé le rencontrer. J'ai rencontré l'artiste, Gérald Minkoff, qui est devenu un ami, qui nous a malheureusement quittés depuis. J'ai rencontré les organisateurs. J'ai rencontré l'assureur, qui avait chacun une histoire différente à raconter. Mais la presse avait beaucoup aimé cette histoire, comme vous voyez, et elle avait dit un jardinier inculte. Mais je me suis aperçu qu'en fait, il y a beaucoup d'histoires comme ça. On détruit beaucoup d'œuvres d'art en expliquant qu'on n'a pas compris que c'était une œuvre d'art. Et sans vouloir juger de chacun individuellement, je suis arrivé à la conclusion qu'il s'agit d'une forme d'iconoclasme qui correspond à une forme d'art et qui répond à l'affirmation « ceci est une œuvre d'art » par la réponse « ah bon, je n'ai pas compris ». Pour moi, j'ai pensé que c'était des détritus, sincèrement, et donc je les ai traités comme tels, et j'en suis désolé. Dans les musées, bien entendu, le seuil du passage à l'acte est plus élevé, ce qui fait qu'il y a souvent des facteurs psychopathologiques qui entrent en jeu. Néanmoins, ils sont liés aussi à des facteurs, à des dimensions collectives. Alors, je ne vais pas détailler, mais ça, c'est une œuvre, La chute des damnés de Peter Paul Rubens, à l'Alte Pinakothek de Munich, qui a été détruite à l'acide, enfin endommagée à l'acide, en 1959 par un Allemand de 52 ans qui avait une longue histoire d'émigration et d'échecs, qui se considérait comme un génie incompris et qui a expliqué au juge qu'il lui demandait « mais pourquoi vous avez fait ça ?» Il a répondu quelque chose comme « écoutez, un incendie de forêt est aussi une sensation, mais combien de temps est-ce qu'on en parle ?» Bon, moi je pense que le choix iconographique n'était pas innocent. Il y a aussi les œuvres plus récentes de Barnett Newman. Le malheureux Newman, un grand peintre, a été la victime à plusieurs reprises d'actes iconoclastes assez spectaculaires. Notamment ses œuvres intitulées, là aussi pas par hasard, « Qui a peur de rouge, jaune et bleu ?» le numéro 3 et le numéro 4, le 4 à Berlin, le 3 à Amsterdam, qui les deux ont été attaqués. Celui de Berlin par un jeune étudiant en médecine vétérinaire, celui à droite par quelqu'un dont je ne sais pas le métier, mais ils avaient leurs propres raisons complexes et difficiles à exactement comprendre, mais ce qui est intéressant, c'est que les arguments employés et les réactions du public aussi relient ces actions à des phénomènes beaucoup plus larges et beaucoup plus généraux. C'est ainsi que lorsqu'on a publié la photo et le résultat d'entretien avec celui-ci, comme vous voyez, le public, les lettres de lecteurs s'en prenaient non pas à lui, mais plutôt à l'œuvre. C'est ainsi qu'on disait, n'importe quel apprenti aurait pu peindre ce tableau.
À droite, lorsque l'auteur de cette déprédation spectaculaire, comme vous voyez, a été arrêté, une deuxième fois d'ailleurs, il a comparé son acte avec les actions artistiques de Lucio Fontana. En fait, ce sont des journalistes qui lui avaient donné cette idée. Il a compris qu'on pouvait faire du vandalisme comme action artistique. Et depuis, en effet, ça s'est multiplié. Et parfois, il est difficile de tracer la ligne entre le vandalisme contre l'art et le vandalisme comme art. C'est ainsi qu'à nouveau Stedelijk, un artiste surtout connu pour des performances choquantes, Alexander Brenner, a sprayé un signe de dollar vert sur croix suprématiste blanche de Malevich. Il a été immédiatement arrêté. On a immédiatement restauré le tableau. Il a dénoncé la restauration comme destruction de son œuvre. Il a écrit un livre à ce sujet. Et il s'est trouvé des magazines d'art comme Flèche Art pour prendre son parti et pour estimer qu'en effet, on avait détruit une œuvre importante. Donc vous voyez qu'on est dans une... Il y a toute une série de tours d'écrou, on pourrait continuer encore longtemps. Mon propre livre, d'ailleurs, sur le sujet, The Destruction of Art, a été détruit pour être envoyé comme invitation à une exposition. C'est mon fils qui l'a repéré et qui me l'a signalé. J'ai écrit à l'artiste, je lui ai dit que j'avais quand même droit aussi à un petit morceau de cette action. Il m'a envoyé la couverture parce que c'était la seule chose qui lui restait. Et bien sûr, je la conserve précieusement. Bon, alors, ce que toutes ces actions, à un niveau beaucoup plus abstrait, ont en commun, c'est le caractère asymétrique des conflits. Par exemple, dans le cas de l'Allemand qui a jeté de l'acide sur le tableau de Rubens, c'était une guerre entre un homme et la société, si vous voulez. Et c'est l'effet de ce que j'appelle une ponction de visibilité. Ces gens s'en prennent à des objets très visibles et ils savent que leurs actions vont immédiatement être extrêmement visibles. Et donc, ils utilisent cette visibilité. Alors, nous avançons. Je crois qu'il nous restera un peu de temps pour la discussion. Oui, je passe là-dessus. Alors, rien n'est simple. Et en effet, on s'aperçoit qu'on n'est même pas d'accord sur ce qui est ou non une destruction. Déjà en 1833, Charles de Montalembert, dont je vous montre ici une illustration de son livre « Du vandalisme et du catholicisme dans l'art », estimait qu'il y a un vandalisme destructeur, mais aussi un vandalisme restaurateur. Et John Ruskin estimait que le vandalisme restaurateur est un pléonasme parce que toute restauration est une destruction. Et même, je le cite, « la destruction la plus totale qu'un monument puisse subir, une destruction qui ne laisse subsister aucun vestige, une destruction qui s'accompagne de fausses descriptions de la chose détruite, car la plus grande gloire d'un édifice est dans son âge. » Selon Ruskin, donc, le temps destructeur, tempus edax, est un temps créateur. Et si l'on détruit ce que les traces du passage du temps, eh bien, on détruit l'œuvre. Il n'a pas forcément tort, puisque, comme vous le voyez sur cette magnifique gravure de François Perrier, la statue que le père temps est en train de dévorer, en fait, c'est le torse belvédère. C'est une œuvre jugée si parfaite dès la Renaissance que Michel-Ange aurait refusé de la compléter, parce qu'il estimait qu'on ne pouvait pas faire mieux. Il y a aussi des accords sur... Ce qui constitue une œuvre d'art. C'est ainsi que le théoricien de l'art français Quatremer de Quincy dénonçait les spoliations menées en Italie par les troupes napoléoniennes et françaises en disant que emporter des œuvres d'art de Rome, c'est comme déchirer les pages illustrées d'un livre, on détruit le livre et on n'emmène que des fragments. Et si l'on réfléchit à cette question du lien entre œuvre d'art et contexte, en effet, on s'aperçoit que beaucoup des œuvres que nous admirons dans les musées sont en fait des fragments qui ont été arrachés à des contextes et que ces actions sont destructrices, alors même qu'elles ont été souvent menées pour produire ce que nous sommes en train d'admirer. L'argument de Quatremer de Quincy a été repris par Richard Serra lorsque l'administration qui lui avait commandé son œuvre Tiltidac à New York en 1981 a voulu la déplacer. Serra a répondu, cette sculpture a été faite pour cette place, la déplacer, c'est la détruire. Il n'a pas réussi à empêcher le déplacement, mais l'autorité de son point de vue a été telle que les institutions qui s'étaient déclarées prêtes à accepter, à accueillir l'œuvre, y ont renoncé, et que donc, en effet, l'œuvre a été de facto détruite. Alors, il est clair que c'est un phénomène ici
très générale. Vous savez que les islamistes détruisant des œuvres sont aussi, semble-t-il, organisent aussi un commerce illicite de ces œuvres ou de fragments, et donc on peut à la fois briser des idoles et vendre des idoles. Et évidemment qu'il y a des liens entre le collectionnisme et le commerce illicite, avec toutes les destructions qu'il entraîne sur les objets et sur leurs liens au contexte. Ainsi que, là aussi, beaucoup de têtes de Bouddha que nous admirons ont été cassées de statues entières pour pouvoir les emmener plus facilement. Même Malraux, comme il le rapporte dans La Voie royale, a fait quelque chose de ce genre-là. Ai, d'ailleurs, Ai Weiwei, il fait allusion avec l'œuvre que vous voyez à droite, intitulée tout simplement « Pied ». Il y a aussi conflit d'interprétation sur ce qui fait une œuvre d'art, sur son statut et sur l'état de l'objet, endommagé, détruit ou non. Je cite à ce propos un délicieux poème que vous voyez à droite, du poète anglais D.J. Enright, intitulé « Vandalisme », et je le traduis. « L'objet en question étant un poème moderne, le porte-parole de la police expliquait hier qu'il était difficile de dire s'il avait été endommagé ou non, ou à quel degré. » Fin de citation. En effet, par exemple, l'œuvre que vous voyez à gauche, modèle Interconti de Martin Kippenberger, on dirait une table, mais le plateau de cette table, c'est un tableau de Gerhard Richter, un monochrome gris, que Kippenberger a acheté et qu'il a transformé en plateau de table. Bon. Est-ce qu'on avait affaire à une destruction d'œuvre? Est-ce qu'on a affaire à la création d'une nouvelle œuvre? Il y a les deux. L'image que vous voyez à droite, c'est un extrait d'un film de Dara Friedman, au cours duquel on voit l'artiste démolir complètement le contenu d'une chambre d'hôtel, puis le film repart dans l'autre sens et on a l'impression qu'il est en train de le construire. Et cette œuvre a été placée très justement au début et à la fin, à l'endroit où se rejoignaient le début et la fin, d'une exposition récente au Hirshhorn Museum à Washington qui s'appelait Damage Control et qui portait sur la destruction dans l'art depuis les années 50 à aujourd'hui. Il y a donc une ambiguïté profonde dans beaucoup d'actes iconoclastes. C'est ce que Bruno Latour a proposé d'intituler « Iconoclash » lors d'une exposition récente à laquelle j'avais pu collaborer. J'arrive à mon dernier point, je vous rassure. Les motifs et les objectifs de destruction sont donc multiples. Ils sont probablement aussi nombreux que ceux de création et de conservation. Et j'étais arrivé à la conclusion que l'histoire de l'iconoclasme accompagne l'histoire de l'art comme son ombre, témoignant de sa substance et de son poids. On peut en effet rappeler, comme l'a fait Yann Blanc en introduction, qu'aucun objet ne dure indéfiniment et que tout objet ne dure que grâce à des efforts de conservation, grâce à des investissements, grâce à un travail de conservation, grâce à un travail de qualification continue. Mais la contrepartie de cette qualification, c'est la disqualification. Et les deux sont profondément liés. La qualification et la disqualification, on peut même les voir comme deux faces de la même médaille, inévitablement associées. C'est ainsi à gauche que le premier secteur sauvegardé en France, à partir de la loi Malraux de 1962, il a été créé en 1964, a permis de protéger non seulement un monument, mais un tissu urbain. C'est le quartier du Vieux Lyon. Ici. Mais l'État ne l'a obtenu de la mairie de Lyon qu'en échange pour le droit pour la mairie de démolir un autre quartier librement, c'est celui qui se trouve en face, ici. Et comme vous voyez sur cette carte, le tout fait partie maintenant du secteur de l'UNESCO, mais vous voyez qu'ici, il s'est passé quelque chose. En effet, ici, nous voyons le maire, M. Pradel, en train de briser symboliquement la première tuile de l'immeuble démoli sur le quai Saint-Antoine à Lyon. Et donc ici, on célèbre le début de la démolition. C'est l'inverse de la pose de la première pierre. Ça a continué par la suite. Ici, vous voyez un autre maire, Francisque Colomb, continuant. Alors, bien sûr, il est impossible de tout conserver. Tout patrimoine est une sélection. C'est ainsi que le directeur du musée Napoléon, Vivant Denon, déclarait en 1806, je le cite, « Il serait idéal que quelque événement entraîne à chaque siècle la destruction de tous les mauvais tableaux qui ont aidé à créer de bons artistes. » Fin de citation. En effet, il y a une logique de discrimination qui est liée à l'antagonisme de ce processus de dévalorisation et de valorisation. L'évolution, mais je ne pense pas qu'il faut souhaiter, comme Vivant Denon, que ce mécanisme entraîne définitivement cette sélection, car en effet, on redécouvre les choses. C'est ainsi que John Ruskin écrivait en 1845 de Bologne à ses parents, je cite, « Tant pis pour Raphaël,
J'ai hésité longtemps, mais je l'ai abandonné aujourd'hui devant la Sainte-Cécile, comme vous voyez ici. Je vais l'abattre et je mettrai le Pérugin, que vous voyez à droite, dans la niche qu'il occupait. Il y a donc aussi un lien entre qualification et disqualification dans cette dynamique agoniste et antagoniste de la découverte et de la redécouverte. Ceci dit, si la destruction et la préservation sont les deux faces du même processus, la destruction est la face cachée. C'est un processus généralement discret, occulte, euphémisé, voire rendu méconnaissable. Et les destructions spectaculaires que nous avons vues au début sont comme l'arbre qui cache la forêt. C'est ce qui se passe, par exemple, quand un artiste meurt et que les survivants n'ont pas les moyens de continuer à payer le loyer de l'atelier ou à louer un entrepôt où l'on puisse placer les œuvres. Par exemple, le sculpteur suisse Richard Kiesling, auteur de nombreux monuments importants, dont le monument à Alfred Escher devant la gare de Zurich, dont je vous montre ici le délicieux dragon du Gothard, tenu en laisse par un petit poteau. Eh bien, lorsque Kiesling est mort, on a jeté ses plâtres originaux dans le lac de Zurich, parce qu'on ne savait pas où les placer, et qu'il était déjà tombé dans une sorte de purgatoire esthétique. Lorsque la veuve de René de Saint-Marceau, en 1922, a légué tous ses plâtres au musée de la ville de Reims, d'où il provenait, on n'avait pas la place, on a cassé les têtes, le musée présente les têtes, mais le reste a tout simplement disparu. Ce processus de destruction est exceptionnellement illustré par des artistes, par exemple. C'est ainsi que Michael Landy a récemment transformé en 2010 la South London Gallery en ce qu'il a appelé une poubelle artistique, art bin, invitant le public, les artistes et les collectionneurs à venir y jeter des œuvres d'art dont ils étaient insatisfaits. Le défaut de l'occultation générale qui porte sur la destruction et qui est une sorte de répression, c'est qu'on ne voit pas les responsabilités. Cela soustrait la destruction et la sélection, déjà, à un débat et à une réflexion raisonnée. Et je voudrais terminer ici par une dernière œuvre qui invite aussi à la réflexion. Elle est due à un artiste canadien, Max Dean, et nous avions pu l'inclure dans l'exposition Iconoclash à Karlsruhe. Elle date de 92-95. Il s'agit d'une machine, un robot, qui prélève une photo dans une pile de photographies et vient la présenter au spectateur qui se met ici. Puis met cette photo dans un destructeur de documents. Monument, on n'a pas encore trouvé, mais ça va venir. Les restes sont emmenés par cet instrument-là, ce tapis roulant, et ça tombe sur ce tas. Lorsque le spectateur, au bout d'un moment, se demande à quoi servent les mains qui sont là, elles ne sont pas là pour faire écho aux mains de Haï, c'est moi qui fais ça, et place les mains sur... Lorsqu'on lui présente une image, il s'aperçoit que la machine sauve l'image, c'est-à-dire qu'au lieu de la placer dans le destructeur de documents, il va la remettre à la fin de la pile et il prend l'image suivante. Et donc, en tant que spectateur, on se trouve dans la position de pouvoir décider du sort d'une image, de pouvoir, au fond, la sauver ou la laisser détruire. Et la réflexion qui s'ensuit est, je crois, très intéressante, y compris d'ailleurs aussi les discussions qui ont lieu entre les divers spectateurs. Mais je vous remercie de votre patience et de votre attention. Pique. Moi, j'ai mon propre micro. Merci beaucoup, Dario, pour cette magnifique démonstration très, très riche, très dense. Je vous propose immédiatement de commencer la discussion. Y a-t-il des questions dans la salle? Je crois qu'il y a deux micros qui se promènent de part et d'autre. Donc, n'hésitez pas à intervenir. J'admire, Dario, d'avoir pu tenir pendant une heure devant, face à ces projecteurs qui... très éblouissant. D'avoir dégarni les Égyptiens eux-mêmes, les pyramides. Alors attendez, est-ce que vous pouvez formuler clairement votre question? Allez-y.
d'avoir dégarni les revêtements des pyramides par les Égyptiens eux-mêmes, est-il à considérer comme un sacrilège ou alors une simple récupération innocente de matériaux? Et les momies sont-elles à considérer des œuvres d'art ou alors encore des êtres humains avec atteinte à la paix des morts? Et suite à la Révolution française, on peut constater à la Notre-Dame de Dijon des statues décapitées, alors qu'au musée du Kremlin, les œuvres des tsars sont absolument précieuses. Si on peut comparer les deux choses. Oui, bon, c'est assez complexe. Il y a bien entendu les actes qui ont entraîné des changements plus ou moins radicaux dans des objets que nous considérons aujourd'hui comme faisant partie du patrimoine et comme étant des œuvres d'art ou des monuments, peuvent avoir été causés par toutes sortes de motivations à des fins très diverses qui peuvent être pratiques, comme vous le disiez, récupération de matériaux, d'objets qui ne sont pas à ce moment-là particulièrement valorisés, dont la fonction n'est plus évidente ou n'est plus remplie. Et donc, en l'occurrence, ici, c'est l'effet que l'on peut juger avoir été destructeur, sans qu'il y ait eu intention de destruction, ou en tout cas intention agressive, n'est-ce pas ? Donc là, la situation est un peu différente. Et puis le passage du temps entraîne aussi toujours des réinterprétations à la fois des actes et de l'effet des actes. C'est ainsi que, puisque vous avez évoqué les cathédrales et la Révolution, Auguste Rodin, dans son livre sur les cathédrales de France, estimait que le résultat des déprédations qui avaient été causées à la Révolution, et pour certaines d'ailleurs à la Réforme, au fond faisait partie du monument. Et il disait même, un peu curieusement, que ça c'était beau parce que le hasard est toujours artiste. Tandis que la restauration, il trouvait que ça c'était mauvais, n'est-ce pas ? Donc là, on a affaire aussi à une réinterprétation. Voilà, ma question à moi est au sujet de Venise. Faut-il la laisser ? Elle est classique, bien entendu, elle n'aura pas de réponse sans doute ce soir, mais faut-il la laisser aller ? Qui décide de ça ? Ou faut-il la maintenir en vie comme elle était auparavant ? Voilà ma question. D'accord, oui, vaste programme, en effet. Alors, j'ai envie de répondre, qui suis-je pour ? Mais on peut, en effet, réfléchir et proposer divers points de vue. D'abord, de toute manière, Venise, a priori, je disais, aucun objet ne subsiste sans effort constant et en fait sans transformation, n'est-ce pas ? Tous les efforts de conservation entraînent aussi des transformations, visibles ou invisibles, mais toujours. C'est a fortiori le cas lorsqu'on parle d'un objet aussi complexe, aussi vaste qu'une ville. Et s'agissant d'une ville en plus soumise à des conditions environnementales aussi, là aussi complexes et radicales même, que Venise. Alors, l'attitude qui consisterait à dire, oui, bon, tout disparaît, et donc, bon, laissons faire, il n'y a pas beaucoup de gens, je crois, pour l'adopter. Ça n'est certainement pas celle que je préconiserais. Il me semble que Venise a toutes les raisons de revendiquer le statut de quelque chose qu'on souhaite préserver, qu'on souhaite faire durer, qu'on souhaite pouvoir être encore présent pour les générations futures. Donc non, je ne vois pas de raison de le faire. Mais après, il faut se demander toujours qu'est-ce qu'on peut conserver, de quelle façon, à quel prix. Et là, je me permets de renvoyer à cet ouvrage ancien d'Alois Riegel, Le culte moderne, qui a été traduit, Le culte moderne des monuments, parce que Riegel... à qui l'État, la monarchie austro-hongroise demandait des directives pour la conservation des monuments d'art et d'histoire, comme on disait, a réfléchi et a constaté que ce que nous appelons monument, en fait, l'est pour des valeurs assez diverses et même contradictoires. Qu'il faut commencer par comprendre quelles sont ces valeurs et qu'on ne peut pas toutes les conserver. Et si bien que toute décision de conservation est très souvent une forme d'arbitrage qui met en avant... qui fait peser plus lourd, qui fait préférer tel aspect. Par exemple, la valeur d'ancienneté, si l'on juge que les traces du temps sur un bâtiment, par exemple, c'est ce qu'il y a de plus précieux,
alors on ne peut pas conserver d'autre chose. Si l'on considère au contraire que c'est quelque chose qui témoigne de l'état original, de l'intention première des auteurs, alors il faut en effet faire disparaître les passages du temps et ainsi de suite. Il y a des choses beaucoup plus compliquées que ça, mais il faut faire cette analyse de ce qui fait la valeur du monument et de ce qu'on veut essayer de conserver, je dirais. Donc, encore une fois, a fortiori pour un objet aussi multiple et complexe que Venise. Je ne m'y connais pas, mais il me semble que notre époque est particulièrement marquée par ce besoin de conservation et que si on envisage des périodes historiques plus anciennes, on se posait beaucoup moins ce problème. On trouvait normal de pratiquer l'art du moment et on n'était pas trop gêné de se débarrasser ou de ne pas tenir compte de la période précédente. Alors, je ne sais pas si c'est le cas. Mais par rapport à ce que je disais, ce besoin de conservation actuel, est-ce qu'on peut trouver qu'il y a quand même un moment où, en quelque sorte, ça s'impose ? Est-ce que c'est un moment moderne, lié par exemple à la mondialisation, je ne sais pas, ou est-ce que quand même on repère ça tout le long de l'histoire humaine ? Je pense que c'est une impression trompeuse. Il y a une histoire extrêmement ancienne de conservation, pas forcément dans les mêmes termes. Il y a des structures qu'on a fait durer extrêmement longtemps. Une histoire généralement alliée à une forme ou une autre de ce qu'on peut appeler la piété, dans un sens assez général. Et on a des traces alors de choses assez proches qui remontent à l'Antiquité, de volonté de conservation. Il y a en effet une visibilité d'efforts de conservation peut-être plus immédiates et ce qu'on a appelé un culte du patrimoine ou un culte moderne du patrimoine qui est lié, je pense, à l'ampleur aussi des destructions. On a probablement rarement autant détruit et ça, c'est lié au phénomène de modernisation dont j'ai parlé. Donc là, il y a eu des destructions massives, absolument extraordinaires. Enfin, si on pense à l'architecture, à l'urbanisme, la transformation des villes, donc il y a une destruction, une quantité énorme. Et il est évident que toutes ces mesures sont en partie des mesures de réaction, et des réactions à ces mêmes processus. Là, les deux se conditionnent mutuellement, en bonne partie. On m'a rapporté cette anecdote, je ne suis pas sûr qu'elle soit exacte, qu'au CERN, une œuvre d'art contemporaine, à l'époque, consistant en un certain nombre de cailloux posés au sol, pas n'importe comment, bien sûr, avait été détruite involontairement par, non pas un jardinier inculte, mais par des nettoyeurs incultes qui avaient sagement rangé les cailloux le long du mur. Je ne sais pas si l'histoire est vraie, mais ceux qui me l'ont racontée n'avaient pas de malice à m'induire en erreur. Maintenant, sur le fond, je me demande si vous n'avez pas intentionnellement ou non, banaliser les destructions de groupes politiques radicaux au Proche-Orient. Parce que ce qui nous gêne beaucoup, à tort peut-être, ce n'est pas qu'il y ait des destructions. Toutes les révolutions sont destructrices, toutes les résistances anticoloniales sont destructrices, enfin, tout est destructeur. Ce qui nous gêne, c'est que pour la première fois, nous n'avons aucune réponse avec les outils les plus modernes de notre vision du monde. C'est-à-dire que nous sommes confrontés à des gens qui disent ouvertement qu'ils veulent inverser la flèche du temps, qu'ils veulent rétablir les choses telles qu'elles étaient en 611 pour qu'elles n'en bougent plus jamais, que s'il faut pour cela détruire tous les outils de connaissance, les documents, etc., c'est un progrès, que le seul outil de modernisme qu'ils aiment, c'est Twitter et c'est les bombes, etc. Là, il y a quand même un problème qui a de quoi nous désarçonner et nous laisser non, sans voix, mais avec beaucoup d'inquiétude. Même la réforme, avec son retour aux sources, avait une vision de la modernité. Aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a plus d'après, et pas seulement à Saint-Germain-des-Prés, il n'y a plus d'après au XXe siècle. Ça, c'est quand même un peu gênant pour des gens qui ont vécu dans le culte de l'avenir depuis leur naissance et même depuis trois générations.
Oui, merci pour cette intervention. Sur le premier point, j'ai une petite collection d'anecdotes et j'y ajoute volontiers le CERN de ces histoires d'objets non reconnus et détruits par des nettoyeurs et ainsi de suite. Il faut les voir de très près pour essayer de comprendre dans quelle mesure il s'agit d'une fiction et d'une fiction significative où il y a véritablement méprise parce qu'on ne peut pas. Il y a des conditions objectives dans certaines situations où ça n'est pas impossible. Dans la plupart des cas, je crois qu'en fait, la méprise est controuvée, si vous voulez. C'est une histoire qui cache autre chose, mais qui est en soi intéressante. Mais enfin, je me suis occupé de ça par ailleurs. Mais votre seconde question est plus importante. Je ne voudrais en aucun cas, alors j'espère, je suis heureux si je peux essayer d'éviter un malentendu. Je n'entendais nullement banaliser les destructions récentes par lesquelles j'ai commencé. J'ai commencé par elles tout simplement parce que je pensais ce que tout le monde avait à l'esprit. Et il me paraît, si on peut faire quelque chose d'utile, c'est peut-être un peu d'élargir le contexte dans lequel on considère ces actions et de pouvoir essayer peut-être de les comprendre un peu mieux. Je n'entends pas les banaliser, ni du tout, en aucun cas, dire qu'elles sont sans importance ou qu'elles n'ont rien de nouveau. Je suis tout aussi horrifié que tout le monde. Je trouve ça tout aussi horrible et inquiétant. Je pense en effet que c'est très inquiétant. Par contre, ça partage un certain nombre de propriétés, d'aspects avec d'autres événements plus anciens. Retourner la flèche du temps, oui, c'est ce qu'une partie des discours qui accompagnent ces actions prétendent. Est-ce que c'est vrai? Moi, j'en doute un peu. Cette idée de purification, de retour à l'origine, elle est commune à une quantité de mouvements, n'est-ce pas, y compris de réformes et de révolutions. Ce qui me paraît plus profondément inquiétant, et ça, je trouve qu'on doit y réfléchir, c'est comment les médias et les spectateurs des médias, nous notamment, sommes partie prenante dans la mesure où je pense que ces actions sont en partie, mais dans une partie non négligeable, motivées par l'effet qu'elles produisent, n'est-ce pas ? Et ça, c'est un phénomène qui est relativement nouveau, qui est important et qui, en effet, laisse assez démunis parce qu'il a pour effet que des actions protectrices peuvent devenir contre-productrices, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'en fait, on peut augmenter la valeur potentielle politique, militaire, de propagande d'une cible en augmentant la visibilité de cette cible et en manifestant l'attachement qu'on y a, en essayant de la protéger davantage. Ça, c'est en effet très inquiétant. Je suis tout à fait d'accord avec vous de ce point de vue-là. Merci pour vos propos, mais peut-être eût-il fallu d'abord définir ce qu'est l'art, parce que détruire l'art, quand on ne sait pas ce que c'est un post-problème. À titre anecdotique, puisque monsieur vient de faire allusion à une anecdote, je reviens de Paris, où j'ai voulu voir le centre culturel de Suisse, je n'y suis pas allé volontairement, parce que déjà le goulet qui y mène est jonché de détritus et de graffitis et de tags, et on m'a dit que c'était de l'art, alors apparemment je n'ai rien compris. Alors, donc, la définition, parfois, est importante. Merci. Oui, alors... je vous remercie. Au niveau, comme vous avez vu, assez large historiquement et assez général d'un point de vue typologique, si vous voulez, que j'ai adopté volontairement, mais je vous renvoie pour peut-être plus de détails à des choses que j'ai publiées sur le sujet, je n'ai pas cherché à définir là. Et j'ai traité de manière relativement indifférente des images, des choses considérées comme des images, comme des monuments, comme des œuvres d'art, etc. À partir de l'idée qu'il y a suffisamment de propriétés communes, y compris dans les actes de destruction, pas non seulement dans les objets, pour qu'on puisse les considérer ensemble. Dans beaucoup de ces actions, la question même de la définition est en jeu, typiquement dans les actions dont on parlait de méprise, les destructions par méprise. Détruire en disant « je n'ai pas compris, c'était une œuvre d'art », c'est une manière de dire « ce que vous essayez de me proposer comme œuvre d'art n'en est pas ». Et la preuve, c'est que je ne le reconnais pas et donc que je l'ai jeté en toute sincérité. Donc peut-être que ça aurait été une autre réponse possible à votre comment dire,
au désaccord que vous exprimez par rapport à ce qu'on vous proposait comme art au Centre culturel suisse à Paris. Mais en tant qu'historien de l'art, je dirais de toute manière, il n'y a de définition de l'art et de l'œuvre d'art que historique. Elles changent en permanence, elles sont toujours soumises à disputes, à conflits, à négociations. Ça n'est pas moi qui vais vous en proposer une maintenant, ça n'aurait aucun sens, surtout pas en essayant de couvrir tout ce que j'ai proposé ici. Par contre, dans les conflits, dont les agressions physiques témoignent, sont souvent en jeu, en effet, la définition de ce qu'est l'objet que l'on estime digne ou non d'être protégé, conservé, et des raisons pour lesquelles on peut ou doit le conserver. Là-bas. Il y a là-bas, tout en haut, quelqu'un, près du radiateur, ce qui prouve qu'on ne se met pas forcément près du radiateur. Bonsoir, je vous remercie beaucoup pour cette conférence. Je voulais juste savoir si vous étiez intéressé, enfin, vous avez fait beaucoup de parallèles avec l'UNESCO et le patrimoine culturel de l'humanité. Je voulais savoir si vous étiez donc intéressé à ce que l'UNESCO appelle aussi le patrimoine culturel immatériel de l'humanité et qui, justement, pose des questions sur la conservation et pose bien évidemment des interrogations en matière de destruction. Notamment aussi d'un point de vue des pratiques artistiques elles-mêmes. On voit aujourd'hui dans l'histoire de l'art des artistes qui justement en finissent avec la signature individuelle, en finissent justement avec la traçabilité ou l'archivage de leurs propres pratiques artistiques, dans le champ de la performance notamment. Donc est-ce que ce n'est pas aussi des moyens de résister à la conservation ? Et puis après, dans le champ, enfin, dans tout ce qui est listé dans le patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, on a affaire, par exemple, et là je vous suis sur la perversion aussi d'une institution comme l'UNESCO, on a affaire aussi à des détournements comme, par exemple, un récent voyage que j'ai pu faire à Istanbul, où pour pouvoir sauvegarder des pratiques comme les derviches tourneurs, on s'aperçoit qu'il y a maintenant en fait une pratique de derviche tourneur qui n'a plus rien à voir avec ce qu'est un derviche tourneur, en termes philosophiques et puis et religieux, je veux dire, puisque aujourd'hui ce sont carrément des intermittents du spectacle qui imitent des derviches tourneurs et dont l'entrée est payante à 25 euros et qui pourtant se voient toujours en fait à l'entrée de la... je ne sais pas comment appeler ça, de ce rituel. On a des ordres comme ça spectatoriels qui sont ne pas applaudir, ne pas prendre des photos, etc., car il s'agit d'un acte plus ou moins religieux. Et après, une dernière question, je voulais voir si vous étiez intéressé aussi aux collectionneurs et aux acheteurs de ces biens culturels, puisque c'est la principale source de financement de Daesh à l'heure actuelle, et si on peut y voir une corrélation entre une espèce de frustration des collectionneurs qui auraient aujourd'hui une profusion de pratiques artistiques non matérielles et puis la volonté finalement de pouvoir au maximum collectionner la matérialité encore possible, quoi. Merci beaucoup. C'est aussi tout un programme et assez intéressant. Bon, alors sur le patrimoine immatériel qui, comme vous savez, la notion a été inventée quand même aussi pour satisfait ou revaloriser un peu des pays qui avaient moins de patrimoine matériel à proposer d'inscrire. Évidemment, cela entraîne toutes sortes de paradoxes et d'effets pervers auxquels vous avez fait un peu allusion et que d'autres ont mieux parlé que moi. Je ne crois pas que je vais en parler. Mais il est clair que quand on cherche à conserver quelque chose dans la nature même et de se transformer plus ou moins en permanence, on a toutes sortes de difficultés. Alors, il est clair que depuis, à vrai dire, une partie de l'iconoclasme au sens très métaphorique, c'est-à-dire de l'antitraditionnalisme artistique, notamment depuis les années 60, a consisté à remettre en cause, entre autres, la matérialité de l'œuvre d'art et le développement des happenings, des performances, de toutes sortes de choses, etc. Bien entendu. Et donc, ça peut être une manière d'échapper aussi au danger de l'agression, si vous voulez. C'est ainsi que Man Ray, j'ai renoncé à ce très bel exemple, mais Man Ray avait fait un ready-made ED qu'il a appelé « objet à détruire ». C'est un métronome avec un œil qui bouge. Et il disait « on regarde ça jusqu'à ce qu'on ne supporte plus, et avec un marteau dans la main, et quand on en a vraiment assez, boum, on démolit la chose ». C'était ce qu'on voulait faire. Mais il y a lors d'une exposition, des gens ont emmené l'objet en question, et donc il l'a refait, en l'appelant désormais objet indestructible. Et il disait, un ready-made, c'est-à-dire un objet
produit industriellement que l'on déclare œuvre d'art, en le modifiant plus ou moins, eh bien, il est en soi indestructible, a fortiori une performance. Ceci dit, presque toutes les formes plus ou moins immatérielles, performatives, etc., de l'art, ont conduit néanmoins à des traces, à des photographies, à des documents, à des essais, qui ont une dimension matérielle, qui font l'objet de collections et qui peuvent aussi finalement être, vous voyez. Donc, on n'en sort pas nécessairement. D'autre part, je dirais que le fondamentalisme islamique et par exemple le wahhabisme tend à dénoncer en tant que tel tout attachement au monde matériel, n'est-ce pas ? Il ne doit rien y avoir entre le croyant et la transcendance. Et j'avoue que j'ai peu de sympathie pour ce point de vue. Donc, cette dimension-là, dans le rejet de la matérialité elle-même, de la physicalité, du monde sensible, moi, je trouve ça plutôt dangereux, à vrai dire. J'ai de la peine à me dire, voilà où est la solution. Quant à l'art contemporain, aucune raison de s'inquiéter. Il suffit de visiter la foire de Bâle pour s'apercevoir qu'on trouve toujours des choses à vendre et à acheter. Franchement, là, il n'y a vraiment pas, là, il n'y a vraiment pas de problème. Quant à votre dernière idée, assez originale, selon laquelle, au fond, le collectionnisme, qui remplit, par exemple, le port franc de Genève, hein, je ne sais pas, entre autres, et qui peut entraîner, soutenir les fouilles illégales dont on sait combien elles sont destructrices, et donc alimenter, je ne crois pas que c'est la source principale de financement de Daesh, mais enfin, ça, c'est une source. Alors, donc, peut être complice, de facto, des destructions islamistes. Est-ce que véritablement ils sont motivés par le fait que les artistes d'aujourd'hui les frustrent en ne faisant que des choses? Non, ça je ne crois pas. Mais c'est une idée dont je salue. J'y avais pas pensé, je vais y réfléchir. Mais ça pourrait être un lien de plus dans cet enchevêtrement vraiment compliqué qui nécessite pas mal d'efforts pour le démêler. Ce soir, je remercie encore Dario pour sa présence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et à tous.